Bwana katoro kote zama zame na bomba. Akutika yote. Yote zote zikiatiki atiki yote. Azo yeba. Akusala na tamu nepe ukubi sana. Amen. Tumeni seri shermene. Wea zwa kipateme. Aya pateme mabu. Sœur Germaine, pasteur, au pessa qui m'a été coupé, mon âge m'a bien été. Ok, tu bénis prophète, toi, dans ton coupé, tout. Sambela, Zambé, à l'opéra, pourquoi Oyo? Zambé, à la fois pour la pépé, à l'ancienne, Oyo. À Kango, la Yo, à Pixel, à Pango, la Yo, tout ça, mais n'a qu'on voit la Yo. Que tous seront enseignés.
le roi du cœur de tout un chacun pour la communauté. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu veux dire Jésus-Christ. Quand nous disons toujours que Jésus avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin, de la même manière aussi la parole n'avait pas disparu, et les chants de victoire aussi n'ont pas disparu. L'église de Saint-Vendée en 1979-80, même si les églises de Saint ont commencé en 1980 ici en RDC, mais l'église de Saint Zalakika. Mais il y avait avant cela les églises de Saint. Donc Zalakika. Il y avait aussi les églises de Saint depuis Jérusalem. L'évolution et jusqu'à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Je crois fermement que le Seigneur a d'abord inspiré ma aussi ma chambre. Et l'indemnité salue ma casse et décolle à la Kikoupé, mais la maroupé ma loyer. Il y avait dans des périodes où la plupart des bateaux et nos âmes et à Zoua qui n'a pas la paix de ma loupé ma bébé. Il y a aussi une période où Dieu a donné des chants à ceux-là qui l'avaient appelé dans l'œuvre. Oui, Batia Kanabaraké, il a mis des chants de victoire. Qui sont dans les recueils qu'on appelle cantiques de victoire. Si tu prends ces chansons-là, vraiment inspiré. Ce sont vraiment des chants inspirés. Tu ne vas pas écouter ces chants. Que je aurai le mariage en venant de Jésus-Christ. Lorsque je viens chez Jésus, j'aurai de l'argent. On a pas les recueils. Dans ces recueils-là, tu ne liras jamais un chant concernant les choses de la terre. C'est ce qui me marque la plus. C'est ce qui me marque plus dans ces chants. Donc, pour la vision céleste. Et ce qui avait plus santé, c'était plus ceux de la vision céleste. Donc, les habités valaient. Donc, j'aurai des enfants. J'aurai seulement de l'argent. Je vais donner les gens. Dans un seul chant, plus de 1000 chansons. Donc c'est plus de 1000 chansons bien. Je te dis que ces paroles-là n'existent pas. C'est ce qui marque plus dans ces chants-là. Parce que la situation. Parce que beaucoup chantent la manière dont ils voient la situation. Il observe les souffrances. Des bois bon, cartonné. Que mon album puisse cartonner, je dois dire, même si à la famille il y a des choses à manger, et ce qui marque plus dans les chants de victoire, les gens ont chanté pour les royaumes. Ils ont vraiment chanté pour le royaume de Dieu. Et d'autres ont passé des temps difficiles sur la terre. Ils chantent comment est-ce que le Seigneur l'a délivré. Et d'autres achetaient des hommes comme des esclaves. En Afrique. Parce que le côté outre-mer, le côté Moussous. Et pour aller les vendre en Occident. Un de leurs, le Seigneur l'avait visité. Et puis il a chanté un cantique. Je suis retrouvé.
Que la grâce du Seigneur soit ton partage.
Et le Seigneur t'accorde des merveilles. Et qu'il t'ouvre ses voies. Et c'est toi compréhension à parole. Et surtout qu'il te donne la compréhension de sa parole. Lui qui fait grâce à son fils. Pour ta vie. Et qu'il puisse montrer des grandes choses, les manifester pour ta vie. Parce qu'il est le Dieu puissant. Azali pour les nations. Il est la véritable lumière. Dans un texte dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2. Nous prenons notre texte dans Apocalypse 2. Nous dans le verset 1er tient le verset 4. Et nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous tenons la parole de Jésus-Christ. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Au mélange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers. Je connais tes œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne laissons pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Que Dieu bénisse les lectures à ceux qui ont verset 3. Je m'arrête au verset 3. Toujours dit, il me semble que Zambas a sur la vie son amour. Nous sommes convaincus que le Seigneur nous assiste dans son amour. Et tout le monde d'abord. Et nous voulons d'abord montrer que le salut est acquis et pas à la juif. Que le salut était venu chez les juifs. C'est ce que le Seigneur a déclaré. Et c'est ce que déclare le Seigneur. Devant la femme samaritaine. Il vous soit aussi au Samarie. Mais annonçant qui après sa résurrection. Mais il avait annoncé après sa résurrection. Avec ce qui par disciple. Il avait dit à ses disciples. Vous serez mes témoins. Commença à Jérusalem, na Jérusalem, na Judée, na Judée, na Samarie, na Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qui n'ont la micologie sur ma belle. Le Seigneur a le bagaille l'eau côté au Kisan. Le Seigneur dit une chose et c'est à s'accomplir. Donc, tant nous autres dans l'écriture de Dieu, et lorsque tu remarques l'écriture de Dieu, il faut avoir la réponse. Il faut avoir des réponses. Et à couper ça, vous n'avez pas les paroles et de donner ou de répondre à comment est-ce que la parole s'était répandue. D'abord, toujours remarquer. D'abord, nous remarquons ceci. La loi que le Seigneur avait donnée à Israël. La loi que le Seigneur avait donnée à Israël. Après qui c'est qu'Israël a son esclave dans la carte de frère. Le Seigneur lui avait interdit de prendre des esclaves parmi ses frères. Esclave, si tu veux prendre un esclave ou serviteur de mon salle, joie la quatrième nation. Il faut lui prendre des esclaves parmi les nations. Et même dans où est allée la part. Et même en ce qui concerne la part, celui total est nombre 9. Si nous regardons dans le nombre 9, dans verset 14, hein, au verset 14, l'écriture déclare ceci. Il commence à dire à ça. Nombre 9 au verset 14. Nombre 9 au verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La terre qui n'a congolé sous Christ. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, ceux qui m'ont pas encore à Zali Koufan, la Katika Tsinabino, paye à Sali et Loulou et à Pascal, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y a un peu de temps, il y a un Pascal. Il y aura les mêmes lois parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Donc Dieu avait prévu, le Seigneur avait prévu que Nakat et Israël, qui parmi le peuple, ils peuvent aussi entrer des étrangers. Nous pas combat. De la même manière, s'ils se rendent dans le combat, le Seigneur a le que ce qui m'est dit aux alliés soldats, aux CPN, moi, si beaucoup n'habitons pas.
Et le Seigneur avait dit, si tu es sauvé, que tu te plais à une fille là-bas, que vous soyez. Tu vas la prendre quand tu es. Mais moi, si moi, il faut aller là, papa n'a rien à maman. Et mais cette fille doit pleurer ses parents. Et je lui couperai les ongles et tous les cheveux. Et elle se purifie aussi. Après, aux huiles, comme moi. Après tu la prendras pour ta femme. Effectivement, tous les hommes qui est. Effectivement, nous voyons. Au milieu des enfants d'Israël. Ils aussi nation. Il y avait aussi les étrangers ou les gens des nations. Même quand le Seigneur a donné sa loi sur la circoncision. Lorsque le Seigneur a donné la loi sur la circoncision, Abraham, dans Genèse 17, alors que cette loi, il faut ezala pona mwana oyo oti. Et le Seigneur lui avait dit, cette loi sera la même pour ton fils. Ezala aussi pona oyo ko acquérir ma pidage. Ezala pe pona moto osombi na mbongo. Donc, dans la maison d'Abraham, il y avait des serviteurs, les Éthiopiens, les étrangers, mais Massaléli, conformément à la loi. Mais qui pratique conformément à la loi. Comme il y a un Israélite dans les Écritures, mais comme cela était dans les Écritures, les amis, le problème était au milieu des Juifs. Cela n'était pas un problème parmi les Juifs. Donc, Ezalaki Bazosale par rapport à la loi. Donc, il faisait les choses par rapport à la loi. Les étrangers de Bazokola à la 4 avant, même à se conformer à la loi. Et les étrangers aussi croissaient parmi eux, même en se conformant à la loi. Toujours remarqué, mais qu'est-ce que nous remarquons? Lorsque le Seigneur a eu, il y a un enseignement où nous avons sur son image à côté. Il y a un enseignement par l'assistance du Seigneur que je vais dispenser. Nathan et Moïse, du temps de Moïse, les lépreux, hors du camp. Ils étaient hors du camp. Mais tout le monde a dit dans l'air à Jésus. Mais on avait vu du temps du Christ Jésus. C'est comme si les lépreux, c'est comme si les lépreux demeuraient maintenant parmi le même message des Seigneurs à la camp. Et c'est tout un message, le Seigneur a quelque chose à dire là-dessus. Mais le Seigneur, dans la salle de Moussa, mais lorsque le Seigneur a travaillé, à Katia Moussa, dans la commune qui a zon, habitant à Césarée, dans la zone. Et lorsqu'il s'est posé la question des habitants de Césarée, qui dit donc que je suis? À tourner à l'eau dans Matthieu 16, verset 13. Le Seigneur avait posé cette question dans Matthieu 16, verset 13. Les disciples m'ont commis pour expliquer le lingue, habitant à Césarée, dans la zone. Et les disciples commençaient à répondre. Que pensaient de lui les habitants? Après, il a tourné ma mauvaise disciple. Après, il a posé encore la question. Et vous, Pébine, ma disciple va répondre. Et les disciples ont répondu. C'est plus Pierre qui a répondu. C'est plus Pierre qui avait répondu. Tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Vous avez Christ au moins dans sa vie avant. Celui dont je vais lecture en gros dans Matthieu 16. Si nous prenons la. Cette lecture dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Verset 17. Le verset 17. D'abord 16. Simon Pierre répondit. Simon Pétre l'a annoncé. Nous lisons en nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es le Christ. Vous avez Christ. Le Fils de Dieu. Jésus reprenant la parole lui dit. Jésus qui m'a loué Pierre. Tu es heureux, Simon. Vous avez m'intéressé. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Oui, tes alités soumises à qui l'a mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Parce que les alités t'ont révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Vous avez et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Et qu'on constate à terre et qu'on l'église. Moi, nous allons s'adresser et pas à Pierre. Là, le Seigneur s'adresse à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. N'a coupé ça quand on va fournir à vos conservateurs. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, d'abord, là d'abord le Seigneur s'est adressé à Pierre. Il y a un moment on entend une discussion et ça n'est pas qu'il en Antioche. C'est pourquoi lorsqu'il y a une discussion en Antioche et que ma sainte ou maman a dit que non, bah mes maman Paul n'a pas la passe. Et que les apôtres avaient vu qu'il devait monter à Jérusalem pour aller voir les disciples de Jésus. N'a rien d'abord que
zèle et la parole est un élément pour nous. Je voudrais d'abord dire que le zèle et la parole est une bonne chose. Moi, dans Zambé, il faut y en a qu'un frustré. Un enfant de Dieu doit haïr ou détester. Et surtout que vous êtes ministre. Et surtout que tu es un ministre. Vous êtes la disciple là, puis un ministre. Tu es disciple auprès d'un ministre. Vous êtes la alliance de quoi pour crucifier la vérité. Il ne faut pas faire des alliances pour crucifier la vérité. La vérité restera la vérité. Si tu refuses de suivre la vérité que tu traites des alliances, et la chose que Mardoché avait dite, et pas Esther, à Esther, lorsque Mardoché est venu dans la cour royale, il était venu avec le sac. Et la reine a vu que c'était vraiment un lieu. Donnez-lui le vêtement, il ne peut pas comparaître comme ça. Oui, là, il y a un problème, là, a zone, là. Les juifs avaient refusé, il avait son problème. Il attend, il y a il dit, c'est le temps de s'humilier. Ah, ici, Esther. Il avait dit, oui. Ah, Esther, tu vas savoir ceci. La race de les menace. La race qui peut t'en aller aux hommes dans le camp. Qui sait ce qui n'a pas tant pour y donner comment il va? Et qui sait si c'est pour de tels moments que tu n'es pas venu? Ceux qui ont négligé le camp. Mais si tu négliges cette affaire, la délivrance viendra de quelqu'un. Autant que la mécou ou t'as ici dans vos sous. La foi est mouïda. La foi des juifs. Et cela doit être jamais la parole. Que le Seigneur n'anéantira jamais sa parole. Le peuple d'Israël ne peut pas disparaître de la terre. Même si tu fais le recensement de tous les Israéliens. Et que tu te prépares des bombes atomiques. Oh, parfois ce qu'il avait dit, t'as respiré là. Et qui donne la mort par la sainte respiration. Oh, pour les exterminer tous. Ils ne vont pas mourir tous. Pour l'écriture, les amis, qui envoyé pour visiter Mayuda. Parce que l'écriture qui viendra. Sauf que aussi si Mayuda m'a maintenant, si tu extermines les Juifs, c'est la vie. Le Seigneur paraîtra menteur. Tu ne peux pas les exterminer. Mardoché va y aller qui? Et Mardoché aussi le savait. Qu'il y a la promesse dans la tribu à Juda. Et que ça vient de la terre à Bokona, l'Ibotabaïm. Les sceptres qu'on s'est manettés à Juda. L'Ibéna Bokon, c'est pour qu'elle aussi. Jusqu'à ce que les Chinois aboyent. Qui nous t'envoie été comme les Mikini aboyent. Aussi longtemps les Chinois n'en a été. Aussi longtemps les Chinois n'est pas encore venu. Jamais cette postérité ne va. Jamais cette postérité sera dit. Exterminé. Car il m'a dit que la délivrance viendra de quelqu'un. Alors il avait dit que la délivrance viendra de quelqu'un. Mais donc, quoi, là, il y a des paroles. Mais comme toi, tu n'as pas pratiqué. Toi et la maison de ton père, vous allez la détruire. Si toi et la maison de ton père, qui seront détruits? La parole est débagatée. La parole ne peut être alliance. Même si quelqu'un traite des alliances, la parole restera la parole. Mais la parole, quel est toi qui a traité des alliances? C'est pourquoi Paul l'a dit. C'est pourquoi Paul l'avait dit. Évangile des amours. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous trouvent. Ces alliances vont te bénir parce que tiens, tu en as beaucoup. Dans l'évangile des amours, il n'y a pas d'évangile. Un seul. Dans mon corps, il y a des gens qui troublent. Mais dans un seul évangile, il y a des gens qui troublent le peuple. Et tant que ma mati m'a commis à Jérusalem, et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, la discussion sur les écritures, donc pour discuter sur les écritures, tant que Pierre a su mal. Lorsque Pierre a pris la parole, parce qu'il aimait d'abord les âmes après ça qui pourrait la clé. Parce que c'est après d'abord que le Seigneur avait remis les clés du roi, monsieur. Alors, lui, on a verset 7. Il dit ceci au verset 7. Il y a Actes chapitre 15. Les Actes chapitre 15. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva. Et leur dit, oh frère, le verset 7. Le verset 7 des actes 15. Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Afin que par la bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile de Christ. Donc, tant que Pierre,
lorsque Paul, Pierre était en train de parler, Paul, Fanaké, et Paul aussi était là à côté. Barnabas a Fanaké. Et Barnabas aussi était là. Maintenant, Pierre s'adresse à eux tous. Dieu a fait des choix. Ça met à Bonaki. Et ça met à Zéla Mounokonama Pierre. C'est par ma bouche à moi, Pierre. N'est pas païen, païen qui l'évangile pour la première fois. Que les païens ont entendu la parole de l'évangile. Paix à quoi? Et ils ont cru. Paul a telle mélanité. Et Paul ne s'était pas opposé à lui. Donc, vers les nations. Non, il perd Paul. C'est Pierre. Ils ont dit Pépé. Il a délié l'évangile pour la première fois. C'est lui qui avait prêché l'évangile pour la première fois. Vers les Juifs. Et Paul. C'est Pierre. Ils ont attaqué Pépé. Parce que le Seigneur lui avait ça qui est clé. C'est le Seigneur qui lui avait donné la clé à lui d'abord, homme physique. Qui ouvrira les yeux. Il y a un fond à côté, il n'y a pas. C'est lui qui avait ouvert du côté des Juifs. Et le même Pierre a ouvert du côté des païens. C'était Pierre. Et ça a qui pété. Que Dieu a fait les choix parmi vous tous. Ça avait apporté qui t'a dit quand c'est la minorité en ce moment. On a Paul avant de moi. Et même Paul était là. Et les Kamoya sur le Bawana. Et ce qu'il est en train de dire. Que ma païen, ma yoga qui pour la première fois la bouche n'a eu l'évangile. Que les païens avaient entendu pour la première fois l'évangile. Et sa bouche. Moi, de la acte d'éternel. Il ne parle pas des actes chapitre 10. De la acte 10. Il parle des actes chapitre 10. Dans acte 2. Dans acte chapitre 2. Et ça n'a pas tout déjà eu à cause à la. Yuda, il y avait des gens qui étaient d'abord des Juifs, à Pantana, Pantana, qui étaient dispersés sur tout le monde. Et à tout moment, ceux qui captivité, si la captivité passe, et d'autres restent, ils continuent la vie là-bas. Mais il n'avait pas oublié la loi, il montait à Jérusalem, il tombait la fête. Il faut comprendre. Tu dois bien comprendre ce parmi eux, au moins aussi. Et parmi eux, tu pourrais voir. L'homme et la nation ne seront la loi. Où est déjà la circoncis. Et là, ça, ce n'est pas prêcher les nations. Ou à des alités côté à l'école. Ou à nous, on est là, ce sont des juifs qui sont réunis. Ou à la nation, à Yuda ou à Sangal. À ta balobie, que tu as eu pour eux, maman, on a pas. Papes, Médès, tout ça. Même s'ils disaient qu'ils écoutaient les Galiléens parlant leur langue maternelle. C'est ça, les Juifs. Et Zalika Kabaïda. Et la Kati Nabango. Et parmi eux, dans ma famille, il y avait des hélénistes. Et Zalaki Nabaïda, il y a le lengue. Donc, ma grecque, il va se convertir aussi dans le judaïsme. Dans les Grecs convertis au judaïsme. Ouais, mais ça va ça, la maman sort montée parce que la loi de Dieu nous a parlé. Et cela ne le surprenait pas parce que la loi de Dieu l'avait dit. Parce que la carte n'a pas mot, bah, nation, bah, beaucoup ça là. Parce que parmi eux, il pouvait aussi avoir des nations. Bah, ça n'est ni la loi, bah, c'est circoncis. Et qui se sont aussi ouais, problème. Mais tant que les cambres comme il allait la Corneille. Maintenant, lorsque le temps de Corneille est arrivé. La pierre, il y aura qui sont, il y a beaucoup de temps. Et même Pierre était surpris ou ne pouvait pas entrer dans la maison. Pourquoi m'avez-vous fait appel? Parce qu'il ne peut pas se faire que nous juifs mangeons ensemble avec les nations. Il dit ceci. À sa dimension. Le Seigneur a-t-il dit à partir avec ses chrétiens? Le Seigneur l'envoie à partir. Lève-toi, descends. Et parle avec eux, verset 20 à acte 10. Parle avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Lorsque les gens voyaient par Corneille, ils devaient chercher Pierre. Et tango, Pierre a quitté la bango. Et lorsque Pierre est allé avec eux, et par Corneille, chez Corneille, lorsqu'il est arrivé à l'obéissance, il a posé la question. À partir du verset 32, le verset 32, tant que Corneille a expliqué la situation de Gézalaki. Mais ce mot du verset 28, le verset 28, vous savez, l'un des dieux, qu'il est défendu.
un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Voilà, acte 10, verset 28. Acte 10, verset 28. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé. Parce qu'ils avaient atterri là, ils étaient là. Et impie. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Cornet il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la même heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit: Cornet, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes hommes. Envoie à Jobé et fais venir Simon, ses hommes Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, les corroyeurs près de la main. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre ouvre la bouche et dit en vérité: je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. On est lorsqu'il a vu le Seigneur visiter un homme des nations, il dit: je vois que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. A bandi pour exposer la parole. Il a commencé à exposer la parole. Après cela, le Saint-Esprit descend. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, mais Pierre a se souvenir de la parole à Jésus avant son départ. Alors Pierre s'est souvenu de la parole de Jésus-Christ avant son départ. Vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous vous allez baptiser à mon innocent. Donc, tant que Pierre n'a pas avant Jésus à l'étonnement. Lorsqu'on avait dit aux disciples à ce temps-là, avant son départ, c'est sa compréhension. Donc, les disciples ne voyaient que eux, les juifs. Mais ce jour-là, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur le païen, et interpellé que ma parole en vous, hein, et cela l'a interpellé que le Seigneur va la baptiser, et vous qui devez être baptisé, et le Seigneur avait compté les juifs et les non-juifs. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, tant que Sali Moussa, lorsqu'il a travaillé ici, dans verset 44, au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, lorsque cet événement s'est à comprendre que Zambé attendra la nation qui est la promesse à Saint-Esprit. Et Pierre a compris que Dieu a compté aussi les nations dans la promesse de Saint-Esprit. Maintenant, dans le chapitre 11, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. L'écriture au même moment dans ma païen à acte 2. C'est cette écriture qui exclut les païens dans acte 2. Et ça n'est pas là dans notre texte. C'est là que c'était jamais fait avant. Comment on a-t-il pour lui que Hazar d'origine, celui à Médès, il n'y a pas de Donc, ils étaient tous des juifs. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, et père, la matin qui voilà verset 13 et 11. Les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Ils ne sont pas mis là-bas.
pasteur. Il reprochait le pasteur en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie. Lorsque Pierre avait reçu le Saint-Esprit, il avait vraiment la douceur du Saint-Esprit. Et le ministre lui reprochait à se disposer pour le répondre vraiment d'une manière suivie. Il s'est disposé de le répondre d'une manière suivie. À lui, ne blague pas avec moi. Parmi les premières personnes, moi j'étais là. Il était resté là pour exposer. C'est très important, il faut voir. Et ça dit que tout est à ton état. Maman, il faut faire très attention. Les choses de Dieu, il faut prendre garde. Ose à la tata. Que tu sois père. Ose à la moine. Que tu sois fils. Ose à la jolie léki. Que tu sois. La parole des a aimés. Il y aura des amis pour nous tous. Il faut savoir que la parole des a aimés. Tu dois savoir que c'est la parole qui est aimée. Donc, nous sommes tous dans la Seigneur parole. Et nous tous, nous sommes sourds. Les apôtres sont salis. C'est pour que nous obtiendrons la parole. Ce qui tient à sa parole, même si tu ne descends pas sur la parole, il y a qui les a pas. Le Seigneur va te rejeter. Abadi, pour répondre d'une manière suivie. Il commence à répondre d'une manière suivie. En disant. Pierre s'est mis à l'air exposé d'une manière suivie. Et puis tu as dit que le bébé a comment comment. Là, dans un verset 4 à 11. Ce qui s'était passé, il dit, j'étais dans la ville de Jopé. Et pendant que je priais, j'ai tombé en extase. Et j'ai une vision. Un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre côtés descendit du ciel vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et j'ai vu les quoi de paix et la terre. Les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tu les manges, parce que le ministère te manque. Tu, hein? Donc, ministère de Boumaka, vieille homme. Le ministère tue notre ancienne nature. Ministère, c'est un ministère. Si le ministère se voit pour ma vieille honte, il ne parvient pas à tuer la vieille ministère. Ce n'est pas le ministère de l'homme. Parce que la mission du ministère, c'est tuer. Parce que la mission du ministère, c'est tuer. Mais à quoi tuer vieille honte. Ça dit que pour ma honte, il y a Kala. Donc, ministère, c'est un rôle à quoi. Le ministère a pour aller tuer la publicité en toi. Koïna. Donc, la Bolendo. L'orgueil. Donc, le ministère a sa parole à tuer. Le ministère a pouvoir le tuer. Vieil homme. Le vieil homme. Et c'est ce que le Seigneur a fait cette image là. Tu et mange. Et c'est l'image que le Seigneur donne à Pierre. Et Pierre a déclaré qu'il a dit que Nana Lia va pas de perdre parce que dans le Lévitique 11, les abats n'y a pas impurs. Et Pierre avait dit que ce sont des animaux impurs. Mais le Seigneur a pas dit si et que. Mais le Seigneur lui a dit. Oh, il a déclaré pur. Et quand tu ne peux pas dire qu'elle est impure, même si tu connaissais un frère, ce qui nous amène à pardonner, à justifier, ta la question a changé. Il faut nous regarder comme impure. Pour rappeler ma bête. Il ne faut pas lui rappeler ses péchés. Ce n'est pas l'enseignement du Seigneur. Il a visité encore Jésus. Et tant qu'à parmi qu'on exposa son temps de sa maman, et lorsqu'il a commencé à exposer en train de le montrer, a expliqué, il a expliqué situation de l'exalémie, la situation telle qu'elle était passée. Verset 15. Le verset 15. Il y a acte 11. Lorsque je me suis mis à parler, tant qu'on a commencé à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Mon livre sans toi quitta qui dit qu'on a parlé. Comme sur nous. Au commencement. Le corps, le légume encore, le corps, la mission va lui servir. C'est nous, ma Dieu, c'est ça acte. Donc, nous, les Juifs, c'est ça acte. Je suis à ton temps. Donc, tous ces gens, c'est nous, les Juifs. Ils ont dit, mission va lui servir. Au commencement. N'aille pas là.
Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean baptisé d'eau. Mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous allez baptiser au Saint. Donc, ayez pour comprendre les jours. Donc, il avait compris ce jour-là la parole du Seigneur. Que parole Jésus a dit ce qui est que vous allez baptiser du Saint-Esprit. Que la parole que Jésus lui avait dit qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et à tant qu'il permet son attention à la parole. Et qu'il a cité aussi une révélation. Pierre a compris maintenant au jour. Et Pierre l'avait compris seulement ce jour-là. Pour au commencement, on a. Parce que le Saint-Esprit était lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il t'a dit là la cité. Et les Juifs. Le Saint-Esprit était descendu que sur eux, le Juif. À Pierre. Là, c'est l'enseignement de Pierre. Pierre n'a pas exposé. C'est lui qui expose la parole. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Cornet, c'est que nous avons confirmé dans acte 15. Et c'est pourquoi il confirme dans acte 15 que le Seigneur a fait un choix et la carte dans l'union. Et que le Seigneur avait fait un choix parmi vous tous. Il m'avait pris moi, Pierre. Pour la première fois l'évangile. Pour que par moi les païens entendent la première fois la parole de l'évangile. Même baptisme et même le juif aussi puisse l'entendre par ma bouche. Dans cela, on le connaît. Parce que ma douce m'a compris que ma païen m'a eu une parole, le bousso par Paul. Parce que d'autres disent que les païens ont écouté la parole première fois par Paul. Là, les raisonnements. Là, ce sont des raisonnements. Jour, la conférence de Jérusalem. La conférence de Jérusalem. Acte 15, verset 7. Acte 15. Dans le Pierre, lorsque Pierre était en Paul, la fin. Et Paul aussi était là sur place. Afin de grandir, il était en train d'écouter. Maman ne se nomme pas Barnabas. Et tous avec des Barnabas. Donc, parce qu'on comprend, on dit ah. Ils disent. Les choses venaient du côté des nations. Pierre. Avec ce vieux Pierre. Nous sommes là, moi aussi, à ton sang. Afin d'avoir tout respect. Ils étaient là très respectueux. Passons là, la parole. En train de suivre. Mais il faut d'abord tu vas savoir ceci. Bien. L'église à Jérusalem. L'église de Jérusalem. Beaucoup de frères étaient scellés encore. La parole. Ils avaient crié à la foi, mais ils étaient scellés pour la loi. Mais Batika Kavia loi. Ils n'avaient pas abandonné la vie de la loi. Et donc il faut comprendre. Tu vas comprendre cette chose. Même ce jour-là dans acte 15. Même ce jour-là dans acte 15. Ceux qui avaient parlé avant, ils voulaient que les païens vraiment soient circoncis de chair. Et ça avait dit Babouan. C'était eux. C'était quelques pharisiens. Et ça avait dit Babouan. Mais ils avaient la parole. Mais ils avaient cru à la parole. Mais ils avaient dit la parole. Mais ils sont restés seulement des pharisiens. Je suis attentif. Parce que les difficultés, ça va dans ma tournée de camion ancien. Parce qu'il y a des difficultés en ce qui concerne. Anciens, on est au Pierre, mais on travaille dans ma cour. Les anciens qui travaillent ensemble avec les apôtres. Ce sont des anciens juifs selon la loi du Moïse. Ça va qui va pas calico, pas tout la vie, ça m'a fait que la mousse. Exactement que ma pierre va camiser du ancien. Ce n'est pas des anciens selon les critères doctrinaux de l'église. Vous allez voir à moi. Amen. Ah, parce qu'il va nous en difficulté. Parce que tout le monde a des difficultés. Les apôtres et les anciens scellés. Donc, les papas, c'est pas ancien ou un an. Ils pensent que ces anciens-là, au gros, à l'église, c'est pas frère, mais pas ça, ancien. Tu peux être dans l'église, mais il y a aussi des frères anciens sans être. Il faut expliquer, nous allons aller ça. Tu dois expliquer qu'est-ce qu'il fera dans l'église. Parce que le collège des anciens imposa Timothée le beau pour un ministère. Le collège des anciens avait imposé la même. Donc, dans le cas, j'ai un collège ancien, un frère, un ancien. Et dans le collège des anciens, si un frère aussi est ancien, a imposé maintenant Timothée, a imposé un ministre le même pour devenir. Et on a mis les supérieurs à bénir l'inférieur. Il a dit c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Donc c'est que ma tête, vous ne va comprendre ma tête, c'est bien. C'est-à-dire c'est beaucoup de gens qui ne comprennent pas les textes. Donc, son Otali, église à Jérusalem. En remarquant l'église de Jérusalem. Autant qu'il est dans acte 6. Et tu lis par exemple acte 6. Dans verset 7. Au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Dans verset 7 à acte 6.
Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Mais mon temps de monnaie n'a pas la zappé, ma sacrificateur au sanitaire. Un sacrificateur au casse-tête qui m'a dit qu'il n'y a pas de manière. Et ne pense pas que ce sacrificateur avait abandonné les sacerdotes de Moïse. Samedi, ça va. Le jour, ça va. Dans place où ma pierre, ma zappé, ça va. Là où les pierres, il dit à Jérusalem. Dans l'église de Jérusalem. Non, avant ça va. Avant le sabbat, il faut faire ça communiquer dans la dignité. Il doit transmettre et communiquer à la fidèle. Ça mérite en coûte à la mission de ce coup. Les sabbats, nous allons tous rentrer dans le temple. Place frère Royo. Aza sacrificateur, Aza déjà la foi, Abotou Mameka. Là où c'est frère le sacrificateur. Abotou Mameka, frère. Il va sacrifier le fond. On a sacrificateur. Là-bas, il est sacrificateur. Alors, Pierre n'a jamais. Et Pierre et Jean respectent aussi. Dans acte 3. Dans acte 3. Là, Pierre et Jean vont monter. Là, quand Pierre et Jean. Il y a un sacrificateur comme ça. Il montait là où le sacrificateur. Ce n'était pas vers l'église de Jérusalem. Il montait à l'heure. Masaki Bokatanangunga. Il respectait tant le sacrifice. Il respectait le temps. Il y a un homme vraiment. Et l'animal. Parmi ma mort, parfait, le frère, on va aller à l'église. Et Paris pouvait être le frère de l'église de Jérusalem. Parce que beaucoup de sacrifices. Obéissez à la foi. Mais toi, tu vas pas la qui vaut tout à Kondima et Angolo. Comment dans l'église primitive. On va comprendre ma paix Jérusalem. Parce qu'ils ne comprennent pas non plus l'église de Jérusalem. T'as la dame Paul à l'Ossalam. Lorsque Paul travaille, d'ailleurs, pour exposer la révélation à Zolaki, il vient exposer la révélation qu'il avait reçue. Pour courir en 20 ans. En fin de départ, il est raconté l'évangile qu'il prêchait. Et parce que je t'explique qu'est-ce qu'on a pris dans l'église de Jérusalem vers les nations. Paul a dit, ceux qui étaient plus considérés n'imposaient rien. Et c'est ce qu'on a reçu dans l'église de Jérusalem. Et Paul a dit, c'est ce qu'on a dit, je fais. Et ça dit qu'on a ça va taper au salaire. Bon, Naïda va traverser l'église de Jérusalem. Parce que beaucoup pensent que dans l'église de Jérusalem. Non, pas mon nion se battait à Banda. Et tous avaient vendu leur propriété. Exactement. Non, ce n'est pas ainsi. Et Pierre avait sa maison. Jacques aussi avait sa maison. Ce sont ceux qui croyaient. Et ça va qui m'a dit, mais pas un continent. Qui vendait parce qu'il côté comme papa. Et nous, on va dire qu'il va porter le bon côté comme cela ne veut pas dire que les apôtres sont en place. Paul, Bayamar et Nanabou, il y a Jacques. Si tu observes les écritures, Paul était reçu dans la maison de l'apôtre Jacques. Il y a des carrières. Jacques n'avait pas vendu sa maison. Mamou, parce qu'il ne mandat pour ma maman. Les apôtres avaient leur propre demeure. Ce sont ceux qui croyaient. Et ça là qui m'a dit que c'est un condiment. C'est un texte. C'est pas le texte. Maintenant, ma doctrine nous souvient ainsi que ma Paul, ma Pierre, ma Jacques, ma texte. Ils pensent que les apôtres vendaient leur propriété, leur maison. Non, même si sa Bible. Tu vas tordre les Écritures. Ils avaient leur propre de l'église, ils avaient un nombre beaucoup élevé. L'église avait un nombre élevé de fidèles. Et ils avaient pour ça la fraction du pain. Est-ce que un seul pain va suffire? Pour ça, la table 15. Mais on a 15 pains. Non. Il commet la terre. Il n'y a pas de temps encore. Pour les armes, si c'est un seul pain, c'est parce que c'est un corps. Un seul corps. Maintenant, ceux qui font ça, n'est pas Pierre, parce qu'on a dit qu'il est béni. Mais comme les disciples étaient normaux, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On devait rompre dans des maisons. Mais c'est quelqu'un qui va tout à ma panamanda. Ma maison, hein? Ces maisons-là. Ils en ont mis à Jacques. C'était comme les maisons de Jacques. Il y a un ministre. Les maisons des ministres.
C'est nous sommes là. L'apôtre ne veut même célébrer la Sainte Seine dans sa maison. Là, la Sainte Seine dans ma maison. Et moi aussi célébrer la Sainte Seine là où je suis. Vous en avez un? Je suis attentif. Partager ce qui va passer à Mingi. Nous allons départager les fidèles qui sont dans le monde. Il est rentré dans la maison. Mais ça y est, beaucoup de gens qui ont été dans la bande. C'est une petite idée. Et ça dit qu'on mine dans l'acte 2. Mais il faut qu'il y ait un ministre. Et c'est quelqu'un qui m'a sali beaucoup à ça là-bas. Dans l'assemblée comme ça, la carte s'est dit Santa pour. Et qu'au salement, cela va se faire. Ni pas mon corps. À un seul pain. Ah, on va voler à terre, mais pour ça, on va manger notre jour. Et ceux qui ne vont pas manger dans ce pain. Ceux qui vont manger ça, ils vont ici. Si vous voulez que nous puissions le faire seulement dans un seul endroit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ça, c'est qu'un homme réservé, il faut tout ça là. Oui, ben. Ce n'est pas qu'il y a un grand homme, on doit faire la Sainte Seine. Va nous salir à nous. Là, tu as célébré la Sainte Seine à toi. Comme ceux qui boulanger. Tu es devant nous. Il y a l'eau à l'église. Dieu veut nous boulanger. Donc c'est que. C'est-à-dire. Il faut donc comprendre que. Tu dois comprendre. Même dans l'acte 15. Même dans les actes 15. Vous aurez remarqué. Qu'est-ce que tu remarques? Verset 5. Le verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens. Mais parmi sous il y a un acte de pharisiens. Non, 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 le verset 5, il y a acte 15. Le verset 5. Qui avait cru? Oye, ma tibé la qui nous a servi. Ma tibé la. Et disant, Péna, qu'il fallait circoncire les païens. Mais c'est quelqu'un qui m'a tâte à ma paga pour qu'il y a un et exiger l'observation de la loi de Moïse. Mais vous voyez, ça, on va tous en mourir pour l'amour. Cela veut dire les saints qui étaient dans l'église de Jérusalem. Cela veut dire ma sainte église à Jérusalem. Vivez comme ça, c'est le sens. Ça, c'est le sens. Ça, c'est le sens. Ça, c'est le sens. Il y a pourtant Paul là. C'est pourquoi lorsque Paul est venu, elle m'a dit toi aussi, on oublie au peu. Oh, c'est conduit comme observateur de la loi. Et marche ou conforme-toi à la loi comme Dieu. Dans acte 21. Dans acte 21. Dans où Jacques se sera là. Lorsque Jacques s'en fait avec les anciens du peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Pam. L'église de Jérusalem est là qui? Donc, l'église de Jérusalem était là. Seule où est sa vierge? La sœur qui est vierge. À cause de la tenue virginité. Tu dis que les vierges. Mais les lois, ils ont le pas. Comme la loi le dit. Dans quelle église? Dans l'église. Les anciens, parce qu'ils sont anciens à vie. Il y avait des anciens qui étaient des anciens de vie. Mais parmi lui, la foi. Mais qui ont cru à la foi? Sœur a aimé que. Ah, voilà, c'est ancien, la mission de la ville, il y a des gens qui ont entendu la carte. La sœur connaît vraiment que c'est notre ancien de la ville, c'est. Mais un frère de la mission. Mais il est notre frère ici dans l'assemblée. Et Pierre va le respecter. Et Pierre va le respecter. C'est un ancien du peuple. Asali, pas qu'à Elingoma. Quand ils vont résoudre les problèmes, ils vont associer. Lorsqu'ils vont résoudre les problèmes à l'église, ils vont associer les anciens du peuple. Il faut comprendre comment l'église de Jérusalem. Et ça y est, nous y va dégainer le sang, voyez-vous, ça les désarrête. Oh, sinon, aux hommes, lui, il a raison qu'il a Jérusalem, nous. Et sinon, tu vas dire, je rentre là-bas dans l'église primitive. Tu vas sacrifier les victimes chardin. Parce que Maman va s'en continuer. Parce qu'elle est continue avec les têtes. Selon qu'on dit acte 21, en disant acte 21, à Zoé, il dit à Paul, on dit à Paul, il y a parmi nous quatre personnes. Et ça dit, n'a pas terminé, il y a quatre personnes. Qui ont fait un vœu. Oui, il va s'en aller dans la salle. Acte 21. Donc parmi nous, donc parmi nous, dans le Saint-Esprit, les fidèles qui avaient le Saint-Esprit, ils ont fait un jeu. Mais ça dit, d'ailleurs, ma vie, ça va dans la parole. Et toi, ceci, au pouvoir, dans ma maison, dans ma monnaie, et pouvoir à toutes leurs dépenses. Pour la multitude, t'as le goyam. Enfin, lorsque la multitude viendra, va comprendre qu'ils nous ont terminé la loi. Et ils trouvent aussi que tu n'es pas opposé. Je te dis que ce sont des frères, y'a. Assemblée des saints. Mais tu dis c'était à Jérusalem. L'assemblée des saints de Jérusalem. Mais c'est l'air pour la loi. Est-ce que c'est quand vous l'aidez pour la loi? À mon état, mon Dieu, c'est quand on fuit dans la loi. Fou n'est pas un pasteur dans la roja. C'est eux en tout moment qu'ils accusaient. Mais dès qu'on a mis sur le Dieu, il faut pas avoir voté pour nous. Nos frères, chers qui sont de la loi. Nous avons mis sur le frère Moko Paul. Il nous raconte l'histoire des frères, la nouvelle. Nous avons terminé la loi. Ils s'opposent à la loi de Moïse, ces frères-là. Parce que dans chaque ville, Moïse est prêché. Vous voyez, la Bible, pas bien, son mot, ça s'est écouté. C'est ça, acte 15, verset 21. Acte 15, verset 21. Donc, par mon père, par exemple, vivre maintenant pour la raison ça. Et eux aussi vivaient ce que Paul faisait. À son émission, on a des colonnes à Jérusalem. Et il leur disait à leur frère qui était à Jérusalem. Jacques a le dit qu'il va
J'attends. Ils savent que toi, vous êtes derrière Moïse. Ils te posent à la main de Moïse. Mais fais ceci, fais ceci. Mais comporte-toi à l'observation. Parce que multitude dans les consacrés. Multitude dans les sections des gens qui ont le Saint-Esprit. La multitude, c'était ceux qui avaient le Saint-Esprit. Mais juif, Ayuda, c'est les bonhommes. Parce qu'il a roulé les bonhommes comme ça. Maintenant, au bout de l'église, on se rappelle vraiment église primitive. Maintenant, tu vas croiser une église qu'on appelle l'église, il y a un tout maire qu'à la débattre. Nous nous rentrons dans toutes les pratiques de la première église. Tout le monde va me calmer. Il faut aussi sacrifier les victimes charnelles. Babo, Basali, Kosala. Et aussi le Christ. Mais à continuer dans le temps de la persécution, il continue du temps de la persécution. Il y a Étienne. La persécution d'Étienne. Mais les amis n'ont pas disciples. Alors il y avait des disciples. Il y a l'église à Jérusalem. Et l'église de Jérusalem. Et papa l'évangile nazi. Il y avait répandu l'évangile en Asie. On pense d'abord parole aussi dans la milieu. La parole dans d'autres milieux. Donc on a mis acte 8 d'abord. En lisant acte 8, verset 1er. Le verset 1er. Dès qu'il m'a présenté Saul. Comme on a présenté. Oui, c'est qui mis là bas. Paul qui avait les vêtements. Oui, Andimi Samaki, Andimaki, Liwa Etienne. Qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mais si vous continuez, en continuant, Bible et le Bible, la Bible dit, verset 4, le verset 4, dans une même la deuxième portion avec ses premiers. Je prends même la deuxième portion du verset 1er. Il y a acte 8. Il y a ces jours-là. Une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et les plairèrent à grand bruit. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Amen. Donc ceux qui s'étaient dispersés. Et Paul était accompagné. Ils annoncent l'évangile. Et il s'était dispersé en annonçant les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand Paul allait aussi dans Moussala, et lorsque Paul est venu aussi dans l'œuvre, alors il a acte 10, oui. Il dit dans acte 10, il dit ceci. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Pour nous, pour la mission, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Ah, et donc, 2 Corinthiens plutôt 10. 2 Corinthiens 10. Verset 13. Le verset 10 à 17. Jusqu'à pour nous, pour la nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées. De manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites que nous sont assignées, qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous. Sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande.
les autres aussi à travailler. Ce n'est pas que tu penses seulement à Paul lui-même. Il a travaillé dans la mesure et la grâce que nous avons. Et quand il a travaillé dans la mesure de la grâce que le Seigneur lui a grâce briller plus. La grâce pour être plus. Mais pour dépasser les limites. Et il ne va pas dépasser ses limites. Et lui-même le témoigne ici. À mon sou, sous peu, pas lui, portion nous soit travaillé. Et d'autres sont bien. À Pierre, à Jacques, Pierre, à Thomas. Thomas. Aujourd'hui, n'est dit Thomas. Prenons par Thomas dit à l'Éthiopie. Il était arrivé jusqu'à l'Éthiopie. Azamoko est un disciple de Jésus. Il est l'un des disciples du Christ de Jésus. Donc on va mettre une doctrine. Donc, c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine. Et comment dit l'Éthiopie avant Congo? Il était arrivé en Éthiopie avant qu'elle arrive en Éthiopie. Et d'ailleurs, j'avais vu les Nique Éthiopiens dans les actes 8. Azonga déjà baptisé. Il était rentré baptisé. En Éthiopie. Avant Congo. Avant la RDC. Mon quoi y'a ma pauvre paix à Yati. Et un des apôtres était arrivé. À mon sou maintenant vers Inde. Et d'autres s'étaient dirigés vers l'Inde. L'apôtre Mazara qui est bien. Il y avait beaucoup d'apôtres bien aimés. Ils ont annoncé selon des grâces que nous avons appelé ce qui m'encore à mon père. Qui vous l'a mis à ma colo, ça vient bien qui m'a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Côté Kalanani Soroteo, ange à l'Igoso. Il ne faut pas rester dans le Paul. Paul. Non. Il a une erreur. Il s'est dit. Quand il m'a dit à l'Igoso. Et Paul lui-même n'a pas prêché. Aucun verset Paul a mis Ben qui ange. Et aucun verset Paul s'était appelé là. Imagine, Galates 4, verset 14. Il dit dans Galates 4, 14. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Oui, il a mis dans le corps quand je lui en savais. Ah, Dieu veut dire. Il m'a dit comme Jésus-Christ. Le corps à Jésus-Christ. Attends, c'est un ange dans l'église, c'est Jésus-Christ. Il a montré que l'ange dans l'église, c'est le Christ de Jésus. Et dans vos outils la parole, et lorsque tu remarques la parole, n'attends pas l'être, on est comme ami. Du temps que cette lettre est écrite. Parce que faut évaluer. Parce que tu dois savoir ceci. Chaque église, ecclésialement connue, Awawa, dans cette église d'Asie, se trouve ici dans les sept églises d'Asie. Elles ont portion et la lettre quand on a été. Elles n'avaient pas reçu seulement la portion de sa lettre. Mais elles ont tous les livres. Toutes les églises avaient reçu tous les livres. Il y a aucun verset ancien. Écoute le verset 11. Il y a Apocalypse 1. L'Apocalypse 1. Qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux sept églises. Donc chaque église a reçu les livres. Donc l'église a montré la montre et soit qui boucle manque. C'est ça l'écriture de Dieu. Il y a un côté qui commis ensemble. Écrit dans un livre. Comment la boucle manque? Envoie cela dans cette église. Petit à mon église. Il y a un moment qui est dans chaque église. C'est pourquoi tu vas remarquer dans chaque église. Nasuka est verset 7e, il y a l'église qui révèle. À la fin du verset 7 de l'église. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Donc, le message d'Éphèse est concerné des églises. Donc, le message d'Éphèse concerne les églises au pluriel. Exactement, à l'église d'Éphèse. Elle n'est pas seulement adressée à l'église d'Éphèse. C'est pourquoi on appelle ce qui dit au Colossiens 4, verset 16. C'est pourquoi je vous avais donné Colossiens 4, verset 16. Paul a commis la qui bat à l'Odyssée. Paul avait écrit au frère de l'Odyssée. Maintenant, il va de l'ange de l'Odyssée. Oh, il va dire à Paul. Maintenant, tu veux dire que l'ange de l'Odyssée, c'est Paul. A commis la qui bat à ta Colosse. Il avait écrit aussi au frère de Colossiens. Mais à Zolo, mais il dit ceci. À Colossiens. Les frères de Colossiens. L'être où on a terminé. Cette lettre où je vous ai prêché. De la robe à ta laodicée. Envoyez-la aussi au frère de la robe. À mon père à tout le monde. Et eux aussi à leur part. Bazo à l'être où on a combien là qui m'a pas bâtir. Je l'avais écrit pour vous l'envoyer. Mais quand vous battez, il y aura un bazar à Colosse. Lorsque le frère le. Bazo à une lettre où tu la laodicée. Avec la lettre provenant de la laodicée. La lettre adressée au sein de la Odyssée. La lettre, la ligue. Mais, dans son église, il y a Colosse. Mais on la lit dans l'église de Colosse. Et ça, valable, parce que c'est le message des saints. Et c'est valable pour être sali, ça peut baptiser les bassins. Amen. Tu prends la lettre aux Corinthiens. Et ça, valable pour nos bisous. Elle est valable pour nous aussi. Mais, quand vous êtes en l'air, ils ont qu'un il y a d'autres choses là qui nous
mettre en garde. Pour ébon qui s'habille devant le Seigneur. Afin de nous préparer devant le Seigneur. Il y a toujours remarqué. C'est pourquoi nous remarquons ceci. Ce qui est total. Si nous observons. Ils ont concerné l'Éphèse. En ce qui concerne l'église d'Éphèse. Paul n'a qu'il a voté à Éphèse. C'était Paul qui était allé prêcher. D'abord à l'Écanie. D'abord, il est passé. À l'Écanie, il est arrivé à Jérusalem. Lorsqu'il allait à Jérusalem. Alikani a sauvé les gars il ne s'est pas entretenu qu'avec la synagogue. Qui était dans la synagogue. M'a persuadé à Tikaranaba. Ils ont lui ont persuadé. Il dit non, non, nous sommes descendus dans Jérusalem. Il dit je monte vite à Jérusalem. À quel Jérusalem. Il est allé à Jérusalem. Après à Zongé la Kiba. Après il est rentré vers eux. Nous sommes en avant. À Tikaranaba, on a nous brisé la Kiras. Il avait laissé Priscille et à Kiras. Mais après il est pas en Zongé. Après lui-même il était rentré. Mais tant lui a Zongé. Mais en rentrant. Il avait croisé ceux qui avaient reçu le baptême des gens. Et c'est lui qui a enseigné vraiment la parole. Il fallait qu'ils puissent leur enseigner la parole. Et bah, il y a qui peut vous être baptisé. Vous avez écouté, ils étaient baptisés au nom du Seigneur. Avant son départ, mais Yahweh était évoqué. Pour qu'il ne coucoufa. Pour aller mourir. À Jérusalem. À Jérusalem. Parce qu'Azakin a besoin à la cabancien. Il y a Éphèse. Parce qu'il avait besoin de dire adieu aux enfants. Appelle ici Bango et Sika Zamaki na Mile. Il fit appeler les anciens d'Éphèse à Mile. Dans l'acte 20. Dans les actes 20. Anciens en Abaye. Ces anciens là sont venus. Aïe ici Bango Boye. Paul. Acte 20. À partir du verset 25. À partir du verset 25. J'ai bien nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant voici. Et Siko et Okota. Dans un acte 20, dans le verset 25. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Et bien, tu es bon, comment on a gardé sous terre, mon gars. Les gens qui t'ont commencé à verter, le qui m'ont guéri, qui m'ont guéri. Vraiment, c'est très bien que le Seigneur t'avertisse de ta mort. Donc, ce qui est beau paiement. Et tu vas vers ton repos. Voilà, nous, ici, déjà, nous savons. Et là, tu as déjà achevé l'œuvre. Tu es dans la foi. Et tu es dans la foi. Donc, il y a une bonne chose. Et ça, c'est un peu malade. Même Pierre, ben, avant, on a été exhorté. Même Pierre aussi, de son côté, lorsqu'il exhortait, la sainte, le saint, j'ai dit, l'esprit m'a verti chaque fois. On lit mes amis auquel vous savez. Et j'ai quitté cette temps si vitement. Et mes amis, tout le travail en poids. Et ça, ils sont montés pour la parole. Parce que tant que Kokaki. Parce que leur temps était arrivé. Mais tant que Kokaki était. Mais quand le temps n'était pas arrivé. Moi, il y a Paul. Le fils de Ayaki Kote, c'est vrai que ma juge, ma sanani, ma zone gênée. Pourquoi pour Mario Paul? Le juif s'est réuni, c'est jeune pour te tuer toi Paul. La vérité que je sais délibacé. Il avait dit je, il n'avait pas. À cause qu'il s'est rien qui tourne dans la fenêtre. On l'a fait entrer dans le panier pour le faire fuir. Abimissier la fenêtre. On l'a fait sortir par la fenêtre. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Tant qu'on a vu Pierre. Lorsqu'ils ont pris Pierre. Babon Pierre. On l'a taillé en prison. On l'a enfermé dans la prison. La mort m'éteignait. Il priait que Dieu puisse en même l'église en train de céder pour la guerre. L'église était en prière en faveur de Pierre. Donc, ils en attendent encore. Il y a un temps. Ce qui lui est aux occasions qui ment. Si la mort vient, que tu parles de la fuite. Élie a qui m'a dit programme et à Jézabel quand il a commencé. Élie avait fui le programme de la mort de Jézabel sur lui. Élie, où vas-tu? Élie, où vas-tu? Élie, t'as pas de l'État. Le Seigneur laisse. On vous dit déjà pour manifester celle. J'ai déployé mon seul pour l'Éternel. Jézabel a signé ici ma prochaine. Jézabel a exterminé tout tes conflits. Quand je suis ici, je suis resté seul. Donc, il a déployé son seul, mais en fuyant. Mais le Seigneur l'a formé. Mais le Seigneur l'a formé. A réservé 7000 hommes à baiser. Jésus a réservé 7000 hommes qui n'ont pas baisé. Ça, ça a toujours la réserve. Le Seigneur a toujours la réserve. Attention au temps, il va te voir. Même si tu n'as pas que les gens. Mais Dieu le garde toujours. Ça préserve. Le Seigneur a toujours la réserve. Le Seigneur a toujours ces gens avec lui. Parce que ça va rassembler le Seigneur. Parce qu'il y a des mauvais ensembles avec des conséquences. Mais il y a des réserves. Mais ça ensemble les sœurs bâtées, pas comme on a mansou. Il y a des ensembles les sœurs, les serviteurs se cachent des péchés. Pas se répandir, et ils ne se répondent pas. Mais pas au mais ils sont en train d'élever les péchés, beaucoup de péchés. Il y a ensemble les sœurs. Il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église. Ensemble les sœurs, moi je m'adresse aux ensembles les sœurs. Et ça, il existe des deux ensembles.
assemblée de saints après son contact. Mais en les observant, Tali m'a tenu à ma sœur. Avec des poitrines exposées. Avec des courtes jupes. Des désordres permis. Des amis. Il existe ces assemblées de saints. Exact. Il existe ces assemblées de saints. Si tu mets la parole, persécution. Ça devient une persécution. C'est un féroce, ce ne sont pas des animaux naturels. C'était les juifs qui l'ont empêché d'enseigner la parole. Il insupportable pour les fatiguer. Même la Thessalonique. Et Satan a c'était des sortes physiques. C'est très important, la parole, c'est très important. Comme ça, la paix est venue à grâce, mais il ne faut pas être venu de grâce de Dieu. Alors, Paul, à ce moment-là, on va expliquer. Paul explique ici. Les anciens. À ce temps-là, ça va vous brûler. Il manque. À ce moment-là, verset 25. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant les royaumes de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui. Verset 26, il y a acte 20. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui. Que je suis pire du sang de vous tous. Et de Nazali Petro la matière de Minonios. Montez sur le sacrament bandit. Lorsqu'un serviteur joue à la vie, réclamer sang à battre. Le Seigneur va réclamer le sang. Et le monde va dire c'est la famille qui ne sera pas sauvé. Je montais ajouter la parole. Si un serviteur ne prêche pas la vérité, la vraie parole, à obligaté, il ne sera pas sauvé non plus. Alors bien continuer. Il continue. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Sans rien cacher. Verset 28. Après. Prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je sens que je vais devenir évêque. Maintenant, ces collègues vont vérifier les critères. Ce n'est pas comme dans les églises des hommes. Donc, ils sont absorbés, même s'empoisonner. Comme l'ancien de la vie. Pour qu'il devienne l'ancien de la vie. Ma vexité, ma vie tumba. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais attends ici que ce sont des gens que le Saint-Esprit a établis. Pour perdre l'église du Seigneur. Qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'étonnera parmi vous. Après mon départ, les loups criaient. Qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après. Mais des choses pernicieuses. Voilà pour bénir cette église.
pour détruire l'église. Après mon départ. Donc cela se fera après mon départ. Voilà ce qu'elle n'est pas pour faire. Là, il allait déjà pour mourir. Vraiment. Amen. Donc tant mieux qu'elle après vous ferez. Donc lorsqu'elle est partie après sa mort, après l'année. Après les années. Apôtre Nyon sur l'enfant qui sauf Jean la Ticala. Et tous les apôtres étaient morts sauf l'apôtre Jean. Donc tant nous changeons soi, révélation la première Jean reçoit la vision d'Apocalypse. Paul a vivant. Et Paul n'était plus vivant. Maintenant, livre y a la suite. Maintenant, les livres. Pour faire ça à Éphèse. Pour l'envoyer à Éphèse. Ange ligne à Otama. C'est quel ange qui va le lire dans l'église d'Éphèse? Pour Paul, c'est un coup fait. Parce que Paul était déjà mort. Nous faisons bien rapport. L'ange, celui qui fait la lecture, c'est Dieu lui-même dans le ministère. Nous disons au temps des amis, ça fait beaucoup dans mon salon. Nathalie Saki, ok. Je t'avais montré des mains. Les sept églises. L'église assemble. Les seigneurs sont jugés. Les seigneurs sont en train de le juger. C'est pourquoi il est fils de l'eau. A saisi sept étoiles avant la tribu du fils de l'eau. Il a saisi les sept étoiles avec la tribu du fils de l'eau. Azon sambi sa église pour être église comme un péto. Il juge l'église afin que l'église devienne parfaite. Et sanganatena et sambi serait pour celle maintenant au kirimo. Afin que l'église ne soit pas jugée avec le monde ensemble. Et à moi, au moni, c'est pourquoi tu vas remarquer. Prophétie ensemble et coquissamaka. La prophétie du Seigneur s'accomplit toujours. Ma main est tombée en maca. Le mal s'élève. Tant où l'hypote a été méprisé enseignement. Lorsque le peuple méprise l'enseignement. En Israël, les seigneurs ont été salis. Les seigneurs ont été avertis. Narcotique, Kabamuna, tout autour de la ville, on a la babote. Je vais laisser les ennemis, les nations tout autour de vous. Mais ceux qui vont désobéir vont servir comme des guillons. Donc si vous désobéissez, ils vont servir des pires et des ronces. À ce moment-là, nombre 33, verset 55. Le Seigneur le dit dans nombre 33, 55. Donc pour entendre vos guillons, pour que ces choses s'accomplissent, ils avaient la porte du péché. Donc la porte, c'est le péché. Tant que vous avez la vie à péché, lorsque quelqu'un a la vie du péché, à ce moment-là, il est ancien. Attraper la péché, il s'attache au péché. Après, il continue à vivre à péché, de se répandir. Et puis de se répandir de cette vie. Les mal ne causera annoncer la carte. Ma péco tombe, ma péco les qui l'a dit la doctrine à ma péco tombe. Donc la mauvaise doctrine va s'élever. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans une nombre 33, verset 55. Nombre 33, le verset 55. L'écriture déclare ceci. L'écriture est à l'écoute de ça. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Donc ceux qui vont chasser ma montagne, si vous ne chassez pas ces nations, à cause de la épine, ils seront des épines à vos yeux. Donc Israël a Zanaki. Donc Israël était ceux qui ont rejeté ma olie. Donc si tu rejettes les olies, ma fausse adoration, envers les fausses adorations, gardez position en vie. Garde la bonne position. L'ennemi a beaucoup d'attention. L'ennemi n'entrera pas. Mais ceux qui ont méprisé la parole. Mais si tu méprises la parole, aux familles dans tes péchés. Et tu demeures dans le péché. On doit se répandir d'elle. Sans te répandir. Et l'ennemi a beaucoup de parlé. Et l'ennemi va rentrer par. C'est tout quand il est prédicateur. Et l'ennemi qui vit qui soit aux animaux. Là, on s'en vide. Là, tu es vide. L'ennemi va s'emparer de toi, ça dit n'importe quoi. L'ennemi va s'emparer de toi pour faire de n'importe quoi. Et c'est exactement Israël. Et c'est exactement Israël. Tant qu'on a chassé des lots, on a dit c'est pénana. Lorsqu'il chasse, c'est que le Seigneur lui en donne. Azotika. Et qu'il le laisse. Et l'ennemi en a comme un guillon. Et cet ennemi deviendra un guillon pour lui. Avant tout maillet. Donc l'ennemi viendra le percer. Moutonouti qui est comme donc tu n'abandonnes pas le pédicité. L'orgueil. L'orlème. L'orgueil. Le pit. Le pit. Il s'installera. Mongouna Koya Moutia Manakatia de Sam. C'est ça la porte au bon à l'ennemi. Ils s'élèveront parmi vous. C'est ça la porte que nous invite Paul de l'élévation des faux ministres.
Mais ces choses, le Seigneur a parlé. Le Seigneur, c'est ça. Alors, dit que l'église est éphèse. Que l'église est éphèse. Ils ont résisté à ton méchant. Résiste les méchants et tels serviteurs. Parce que tel est bien. Donc, ils s'opposent aux méchants. Quand la chose est conforme à la parole de Dieu. Lorsque la chose n'est pas conforme à la parole. Parce que l'église est éphèse, c'est une église modèle. L'église est éphèse, c'est une église. Modèle. Il y a qu'on garde position enseignée. Donc, dans le modèle, il garde la position. Et là, on se met à enseigner. Si la chose n'est pas enseignement, et qu'on dit mangotel. Elle ne sera pas non plus acceptée. Il y a qu'on est en bas, on loue les locaux. C'est pourquoi le Seigneur loue cette parce que ça va nous avoir toujours le cas bien. Parce que le Seigneur ne cherche qu'une bonne chose. Dans l'air, il y a Balpéon. Du temps de l'affaire de Balpéon. Dans Nombre 25. Dans Nombre 25. Dans le péché qu'on a gagné. Lorsque les péchés qui n'entraient pas en eux, il y avait ces milliers de garçons. Un garçon juif. Donc, un garçon. A vu une fille, il m'a prostitué madamite. Il a pris une fille madamite. A son compte, elle a une attente. Il entrait dans l'attente au ciel des enfants du monde. Balamisme. Le balamisme. Donc, dans ça, le péché naïe. La vie de tout. Il commettait son péché aisément. À son compte, elle a une. Il entrait avec eux. Les filets n'avaient pas entendu que Moïse lui ordonne de tuer. C'est ça cet esprit d'Éphésiens. Il y a mon livre, on a pas de quoi faire. A vu au panga la mairie. Il a pris le couteau, il a suivi. Frère et juif, on est vrai, juif. Alors ça n'a pas bon. Il joue avec la parole. Moïse a vraiment quitté la vie. Moïse avait pas dit que l'église est un conducteur. Et comment tu m'as poursuivi? Tu m'as dépassé, moi conducteur. Donc, t'as passé la main. Lorsqu'il a fait ça. Ça va s'épérir. Et c'est bon, c'est réchu de finir. Allez, mais c'est vrai, il a dit à ses frères. J'ai peur d'une alliance perpétuelle avec toi. Pour veiller les critiques. Parce que tu as veillé sur le critique. Pour porter l'humilité de vous le mal. Le contact, c'est la vie, on m'a aidé. Donc, un saint. Mon sang. Il ne peut pas supporter le mal qui est de la chair. Alors, ça tient à la vérité. Il est contraire à la vérité. Il entend qu'on lui prêche des choses contraires à la vérité. Et l'homme, on sent que ça y a un mot. Dès que la chose n'est pas ça, il faut. Ça doit quitter la chair. C'est ce que va dire qu'on loue les frères. C'est là qu'on loue les frères des frères. Évitez qu'on s'en aille à tout. Évitez de mettre derrière le sang. Ça va s'en aller à l'écriture. Ça va derrière les saintes écritures. On va s'en aller à l'écriture. Il faut pas être à la route. Moi je suis devant l'écriture sainte. Si je viens, je puisse apporter l'écriture. Naël est un témoignage que le prophète n'a pas porté ma foi clamée. Que je t'apporte les témoignages qu'acclament les prophètes et les apôtres. Si la chose n'est pas conforme à ma tête, si la chose n'est pas conforme à la parole, il faut te rejeter. Pourquoi la rejeter? Parce que Jérusalem, fondement à Mirai, les armes de la vie des apôtres, les amis, ma chromosome, il a mis mal à l'antoma. Il va tout simplement l'enseigner. C'est la vie, tout simplement, il a ici. Sauf qu'on croit qu'enseignement m'apporte. Si tu rejettes l'enseignement des apôtres, pourquoi la Jérusalem? Tu n'entreras pas non plus dans la Jérusalem céleste. Et 12 portes allées, maintenant il y a 12 tribus d'Israël. Et dans les 12 portes, il y avait le nom de 12 tribus. À porte, on a les années par prophètes. Et ces portes sont les prophètes représentés par les chiffres 12. Représentés par les chiffres 12. Parce que la porte, c'est les prophètes aussi. Oui, tout que ça peut à s'abonner. C'est comme la véritable porte qui est Jésus-Christ. C'est comme la véritable porte qui est dans Jean 10. Dans Jean 10. Donc c'est que, c'est-à-dire, Jérusalem, on s'est retrouvé, tu vas te retrouver dans la chose. Surtout respecter le fondement du miracle. Si tu respectes le fondement de la miracle. Parce que la prière de Jésus, oui, tu ressens aussi. Dans Jean 17, dans Jean 17. Alors lui, je ne prie pas seulement pour eux. Dans ce sens, il y a la capote avant de commenter. Mais je prie aussi pour ceux qui me croiront par leur parole. Dans ce sens, il y a la capote avant de commenter. Quand il y a une zéro valeur avant de donc, si tu rejettes seulement l'enseignement de l'intercesseur, Jésus est un bon ayant. L'intercesseur de Jésus n'est pas un bon ayant. Même si tu pleures. On le péché que j'avais commis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi toujours. Aux hommes là, et tu pleures. Mais ça va autant à nous l'enseigner. Le Seigneur va d'abord regarder l'enseignement des apôtres. Yo, famille, la doctrine, la maison de l'Israël, la maille, la bidon. Quand tu regardes dans la doctrine, on te fait voir des. La doctrine à la porte. Ce n'est pas la doctrine des apôtres. Nous savons, Jésus, c'est la bonne intercession de Jésus n'est pas en ta faveur.
La prière de Jésus a porté à l'autre. S'envoyer ce tabis au terre. Jean dit. Ce qui était dit et commençait. Ce qui va annoncer la carrière. Ce qu'on nous a annoncé. Concernant la vie. Nous avons vu la vie. Nous avons vu la vie. Nous l'avons touché. Jean. Et l'ange qui était venu donner la révélation, ma frère Naïo
autres gens. Et il avait dit qu'il avait donné aussi des révélations à des frères Jean. Témoignage, oh, et ça témoignage esprit à prophétie. L'acte de Après ça, on fait ma frère, nous sommes à Jean. L'ange avait donné aussi à notre frère. Donc à Paul, d'abord, qui vivait en Pazon, à l'homme, Paul aussi avait reçu. Et Pierre, à Jacques, et Jacques, c'est Apocalypse 19, mais ils ont dit ça. C'est Apocalypse 19 qui le fait. Donc, d'abord, ils ont dit, bon ami. Pourquoi on a marché? Pour la portée, c'est que ça n'a pas mon côté spécial, car il y a une telle parole. Et pour montrer qu'il n'y a aucun homme spécial qui lui seul a prêché la parole. C'est pourquoi tout à mon niveau. C'est pourquoi on a marché. Pour le moment, on a pensé. On a d'abord enlevé la portée. C'est que Paul a ça, la première personne a tenu vers les nations. Pour montrer que Paul est la première personne à prêcher la parole. On a voté ce portée. On a montré que c'était Pierre. Tout à ici aussi, on a aussi montré que ma disciple, les disciples, ma roue basée à Jérusalem, ceux qui étaient à Jérusalem, amenez ma panzana, l'Iboso, pour pas la rosaporani, ou balanzambe, la rencontrer nous. C'était eux qui s'étaient dispersés pour la première fois en fait des réponses à l'évangile. Voilà, Paul, à Zana, nous sommes pagans. Puis Paul était encore inconverti. Et ça, dans acte 8. C'est dans acte 8. Ça va tout à l'heure, Paul, dans acte 9. Et le Seigneur a croisé Paul dans acte 9. Donc, confirmer aussi. On a aussi confirmé que Paul a couffé avant même Apocalypse et Yann. Et Paul était mort avant que ne vienne l'Apocalypse. Moyen peu. Tant qu'il y a la folie, na yo, il n'y a pas moyen d'aller dans ta folie. Donc, parce qu'un jour, c'est là, dans la lettre, voilà, ils apportent et à terre. Que l'ange de l'église de Fès, le lecteur, c'était Paul. Il n'y a pas donc, moyen. Tant que Jean a vu le livre, lorsque Jean a reçu le livre, a pensé à eux pour toutes les églises. Il a envoyé ce seul livre pour toutes les églises. Et Fès a vu la lettre, et Fès, c'était. Comment il est mal à terre? Éphèse n'a pas seulement reçu sa lettre. Oui, Éphèse. On sait qu'il est venu. Et ça concernait Éphèse. Concerne Éphèse. Et ça concernait même les autres églises. Et ça concerne aussi les autres églises. Il y a mon assouka à lettre, non? C'est pourquoi la fin de chaque lettre. Et lui, c'est lui qui a les oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, d'abord, il y a un livre sans besoin de la réclésie. Alors, de l'église, mon côté Éphèse. Les Saint-Esprit ne s'adresse pas à l'église. À toutes les églises. À l'église, à l'union, ce sont. Même les bishops. Même à nous. Ils sont tous nickel. Nous devons faire attention. La manière de nous. Bishops, quitte à la parole, ils sont ici. Nous puissions nous avoir sans faire que la parole prenne place. La monnaie jamais à l'ouan qui n'a qu'à t'y avoir Éphésien. Et c'est ce que Dieu avait loué dans le frère d'Éphèse. Et donc, on va là, on va imiter à Kayango. On imite la chose qui est bien. Que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour lui. Et que la paix du Seigneur est avec nous. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Zambassade est avec moi, madame, le mini. Que le Seigneur t'attend pour les mains. Afoumouli, la yom, Anzela, qui tombe. Et puisse ouvrir le bon chemin. Afou, qui s'habille, mon aïe, à Maram. Et qui accomplisse aussi ceci, merveilleux. Que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour lui.